Allez, on fonce. J'en ai pas. Allez, on trace. Bon, normalement, ça devrait bien se dérouler là. J'ai de la vie. Donc, ça devrait aller. Oui! Oui! Trop tard. Normalement, si on le voit dans le fond, c'est que c'est trop tard. Il me semble. Parce que là, il va arriver en nous. À moins que je prenne large. Le plus large possible. C'est dur. En fait, c'est dur même quand t'as la vie. Hein. Par contre, c'est juste un passage infâme. Je pensais pas. Allez, go. Le passage est juste infâme. Bonjour, je suis infâme. J'ai sûrement déjà vu, non? Oui, j'écris tous les chiffres avec des Z. Attendez. Je m'en fous. Mais ça s'écrit vraiment comme ça? Mais en fait, je sais bien écrire. Putain, je peux... Depuis le début, je pensais que j'écrivais mal, mais en fait, j'écris bien. Purée, mais je suis matrixé. Au secours. J'ai l'impression que je fais des erreurs, j'en fais pas. Parce que pour moi, le Z, c'est tellement pas utilisé comme lettre que je suis en mode, mais quand il y est, c'est pas normal. Oh mais vas-y, n'arrête jamais le... N'arrête jamais de courir, purée. Vas-y, tu sais quoi? Ok. Allez, cours, 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 cours. Cours, 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 cours. J'ai été bloqué par le mob. Ce troll. Mais comment t'es... Théoriquement, t'es censé passer comment? Parce qu'il faut quand même aller vachement vite là, hein, j'ai l'impression. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Ah bon, bah... Donc en fait, il faut vraiment faire la strat de speedrunner là qu'on a vu. Sinon tu peux pas gagner. Ouais, c'est fou par contre ça. Donc sauter sert qu'à un seul moment aussi. On note. Je lui saute dans la gueule. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Je lui ai littéralement sauté dans la face. On s'en fout. Oh, il court deux fois plus vite que moi à fond. C'était quoi ce délire? Par contre... Ah non, mais c'est bon, en fait le jeu est impossible de base. Putain, même full life, je passe pas l'endroit. C'est pas possible. C'est que c'est mal fait. Putain. Oh, le retour d'infogramme, le vrai, quoi. Et de la difficulté infâme, et des conneries. Je me bats, j'ai mis le mode saut. Aïe, 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 ça me fait du mal. Je vais même plus crier, je vais juste m'énerver. Je mets le mode saut est mis, regardez. Voilà, le mode saut. Normalement, il devrait plus me faire chier. Oui, je préchote. Et il me touche quand même, et il me touche quand même. Je ne peux pas l'esquiver, c'est inesquivable. Purée. Nom d'un sandwich quoi, mince. Purée.
Si, il faudrait que je strate en mode... Mais même pas en fait, mais... C'est pas possible, c'est pas faisable. Humainement, attends. Je vais tenter le dernier truc que je peux faire, mais c'est pas faisable, c'est humainement. T'as pas la vitesse, t'as pas le... C'est pas possible, alors... C'est pas poussable. Eh bien. Donc là, on a vraiment retapé 20 minutes de jeu pour se rendre compte que c'est le jeu qui est nul. Ah, beau gosse. Attends, je vais juste voir un truc. Oh, ça va m'énerver ça aussi. Putain, j'ai rien dit, hein, Resident Evil c'est mieux. Parce qu'au début du let's play, j'ai dit oh, Resident Evil qui va bien se tenir. Resident Evil n'a rien à tenir, c'est bon. Mais cours, Carnby! Mais qu'est-ce qu'il branle? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, le mec? Il ne court pas, il s'en fout. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ce mob? Par contre, il y a vraiment des endroits piégés. Ça me bute. Hein. Ça, c'est. Faut vraiment être un. Voilà, hein, pour faire ça, mais. Il y a vraiment des endroits, tu vois, tu meurs. Hop! Tu vas faire. Cours, mais cours. Et ouais, et si je fais ça, tu vas faire quoi? Voilà, je viens pas. Tu vas faire quoi? Bah, tu vas rien faire. Ah, tu fais quoi maintenant? Un bouffon? Tu fais quoi? Tu vas faire quoi? Hein? Tu vas faire quoi là? Voilà, regarde, tu vas faire quoi? Non, mais sans rire, c'est trop dur. Faut être pixel perfect, c'est trop dur. C'est pas fait pour les humains. Je vais apprendre à tasse juste pour ça, hein, pour passer. Parce que c'est pas fait pour les gens. Il ne repart pas. Il a décidé de mourir. Il se suicide. Il a décidé qu'il ne repartait pas. Qu'il mourait ici. Genre, enfin, c'est quoi? Ma parole. Il a décidé que Carnby mourait ici. Ça y est, il a abandonné le mec, il s'en fout. Oui, bien sûr, oui. D'ailleurs, la perspective n'est pas fucked up du tout. T'as pas l'impression qu'il est devant, derrière, qu'il est côté sur le côté, mais non, ça va. Je veux bien que ce soit early 3D, mais quand même, monsieur. Votre axe Z, s'il vous plaît. Oui. Et dire que la première fois j'étais passé. Tiens, d'où je fais. Je suis en bas. Pour de vrai cette fois. Cours! Cours! J'en ai les couilles, je le sais. Oh ma part, il y a l'homme. Putain, il y a la créature du lagon noir. Elle est là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il sait faire?
C'est la forme de l'eau. Faut sauter. C'est la forme de l'eau. Il est là, c'est lui. C'est son cousin. Putain. Faut que j'arrête ça. Ça me fait trop. Ok, donc sauter, c'est réellement dans le jeu. Il a disparu. C'est quoi la porte qui claque là? Je sauvegarde toutes les deux secondes maintenant. Je pouvais pas écrire autre chose. Ok. Now what? Je me casse. A plus bouffon. Mais qu'est-ce que... C'est quoi? C'est quoi? Non mais c'est quoi? Je te tue hein. C'est un rat mutant. Il y a un trou de balles marqué. Qu'est-ce que c'est ça? Ok. On n'arrête pas. Ok. Vous avez pété un plomb. Mais quoi? Faut vraiment faire ce que je pense. Mais vous avez pété un câble. Ils ont pété un câble. C'est de la folie. On arrête. On arrête maintenant. C'est de la... Attends. C'est de la folie. C'est de la folie, hein. C'est de la folie. C'est de la folie. Il va me pousser dans le vide. Non, c'est bon. C'est de la folie, hein, ce qui arrive là sur l'écran. Carmino! Faut pas qu'il tombe, sinon j'ai plus de balles. Mais attends, attends un instant. Je vais essayer. Allez, passe vite. Il a bien eu. Non, mais il me catch. Bon, c'est pas grave. On va attendre. Hop là. Hop là. Hop là. Il m'a bien eu. Il m'a bien eu. C'est injouable. Ça, par exemple. Ça, pour une surprise. C'est une surprise. Les cartouches sont mouillées, hein. Ça, c'est... Ouchi. Quand tu lis ça... Je te dis, moi. Dans la solution, ce passage est littéralement résumé en avancer. Est littéralement résumé en vous avancez et vous ouvrez le coffre. Je vous jure que c'est vrai. Hein. Dans la solution que j'ai. Donc, dans la solution, ce passage se résume à avancer. Pas de solution, pas de tips, rien, pas de tricks. Tu te démerdes. Mec, il avait pété un plomb, le mec écrit la solution aussi. Oh putain. Il était sous acide. Le mec a juste écrit, vous avancez. Mais enfin, tu es fou. Le man. Enfin, le man ou la personne qui écrit, hein, j'en sais rien. C'est un pseudo donc. Ok, c'est bon. Ok, je vais mettre sur le bord, comme ça, quand même, derrière. C'est bon. Donc là, si j'avais eu 2 PV, j'étais mort. On est d'accord avec ça. Carnby le crack. Carnby le crack. C'est lui. C'est lui. C'est l'élu. C'est lui. C'était toi. Tu devais Eric. Établir l'équilibre dans la force. Tu étais l'élu. Oh là, il va y avoir un truc à la con encore. Non, c'est bon. C'est fini, je crois. Oh. Ah ouais, il y a un coffre pirate.
Qu'est-ce que c'est que ça? Les pires chemins? Le chemin où tu meurs? C'était vrai, hein, y avait un truc qui était en train de sortir. Hein. Donc c'est vraiment le chemin où tu meurs. Hein. Attendez, on peut regarder quand même. Ouais, non. Ouais, merci. Ça me fait plaisir. Ah, voilà un chemin qui me rassure plus. Ah, une épée. Ouais, ça marche. Ah, ça a l'air chiant. Ça tombe, ça? C'est un mauvais. Ok. Je vais juste courir. Je monte. Il y a un coffre pirate. Alors, je crois que je suis à la même hauteur qu'en face, là. Me semble-t-il. Exact. Casse-toi, casse-toi. Kirby, avance. Merci. Voilà. Dans la soluce, entre le moment où vous avez vu où on est rentré d'en dessous et ce moment-là, il y a juste écrit, je vous jure, je vous promets, il y a juste écrit, vous avancez. Mais ils ont... Le mec qui a écrit la soluce, c'est vraiment guide good, bonne chance. Allez hop. Ah, mais bien sûr. Bah oui, vous ne pouvez pas finir le jeu. Après, si j'ai toujours le gramophone sur moi, je comprends. Je comprends. Voilà, on va mettre de la musique un petit peu quand même. Vite fait. Allez, saute dans le vide. Allez. Laissez. Oui, je veux ça, hein. Je suis venu pour ça, donc d'accord, ici. On peut pas retourner en arrière. Hein. Qu'est-ce donc? Oui. Ah, attends. Ah, j'ai jamais cru qu'il y a... Oh putain. Oh, j'adore. Oh putain, j'ai vraiment autori. Ça a craché, hein. K.O. Ah. Oh mais purée, mais... Oh, ça a juste planté, quoi. Oh purée. Ouf. Oh la vache. Bon, heureusement le passage est pas dur, mais... Ouf. Oh, le truc a juste crash. C'est tout. Oh, ça me fume. Oh, ça me fume. Oh, ça... Le jeu a vraiment juste crash. Genre... Quand j'ai voulu lire un bouquin. Oh, c'est génial. J'adore. Allez, on court. Maintenant que je connais le chemin. Maintenant que je perds, ça devrait bien se passer. Oh, la musique est dantesque, hein, par contre. Bon. Tiens, on va essayer un truc avant. Le trou, il y a l'araignée là. On peut aller dedans? Ça va où? Cette histoire. Putain, mais qu'est-ce que je fous? Ici là. Ça va où ça? Ah. Ça va. Ça va où ça doit aller. Du coup, l'araignée est vraiment un piège. En mode. Meurs. Ah ouais, c'est. Par contre, comment on se barre d'ici après? On passe sur le côté. Pourquoi? Ah, donc c'est... D'accord. Ah, c'est vraiment histoire de Matrix, quoi. Ah, et en plus, elle change d'écran. Donc on a bien le... Dans le baba. Je cours. Le reptile. Je m'en rends compte. Pourquoi on l'appelle le reptile? Le reptile.
sens. Mais on est censé faire ça? Je suis en train de me dire. Le chemin que je prends, c'est la legit way? Ou c'est moi qui est... Ou c'est... C'est un gameplay émergent et on peut faire ce qu'on veut. 94, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'il y en arrive. On va acheter toutes les conneries avant. Par exemple, ça. Allez, adieu. Adieu pour de vrai en plus. Il est parti à d'autres cieux le truc. Ça aussi. Casse-toi. Ça aussi. Non, ça. Ça va. Par contre, la clé du bureau, ça, j'avoue que. Et si vous. Oui, on va sauter. Saute, vas-y, saute. Saute, c'est utile. C'est une blague! Mais parce que j'ai un gramophone dans le. Dans l'inventaire aussi! Qu'est-ce que c'est que ça? Casse-toi! Ah, merci. Il saute! Mais il saute là! Il est en train de sauter! Voilà, laisse-moi aller. On va sauvegarder. La 20. PNGT. Allez. Si le jeu recrache, c'est une masterclass. Les mémoires c'est d'un bon. Damné. J'ai peur. Il est temps de tomber le masque. Toi qui as trouvé ce manuscrit, sache que je suis là, près de toi. Je veille dans l'ombre profonde de ma crypte. Bientôt, tu m'appartiens. C'est le drama. Un de mes esclaves a tracé ce manuscrit. Je vis depuis 3 siècles. Mon nom est Ezekiel Prex ou Elia Pickford. Choisis. Ah, Pickford. Je ne me cache pas par crainte. Mon pouvoir est immense. J'ai vogué sur les 7 mers. Mon navire, l'Astarté, semait la terreur sur tous les continents. Les frères de la côte me firent procès, mais pas plus que les juges gallois en 1620, ils ne purent avoir ma peau. Maintenant, je suis immobile. Damné Yankee. La sorcellerie, le vaudou, le culte de Cthulhu me sont Cthulhu, connus. Hein, a été prononcé. J'ai régné, j'ai imploré les pierres. Seul le Cthonien entre les cavernes et me résiste, mais n'ose m'attaquer. J'ai besoin d'un corps vivant pour me régénérer. Les Heartwood m'ont échappé, mais toi qui me lis, tu tomberas en mon pouvoir. Je sens ton souffle et imagine ta terreur. J'ai vaincu la mort et bâti d'Erceto. J'ai connu les affres de la longue veille. Cthulhu m'assiste. Mes serviteurs t'étendront sur la pierre sacrificielle. Mon cri sauvage percera la nuit. Tu seras mien. Je régnerai à nouveau. Je t'attends. D'accord. D'accord. Quoi après? Faut que j'aille où? Monsieur? Faut que je refasse le chemin marche arrière? Faut que j'aille où? Faut que j'aille où? Attendez. Le jour n'en a pire. Alors attendez. Je vais chercher ma soluce. La fameuse soluce qui dit vous avancez. Je vous lis, hein. Je vous cite quand même. Progressez jusqu'au coffre pirate. Voilà, c'est la phrase qui est écrite. Ah d'accord. Le rocher est poussable. Autant pour moi. Alors. Pousser a 2 utilités dans le jeu, c'est bon. Ok, le rocher est poussable. Ok, on trace. Ça va bien, Tissia Skip. Pas très très labyrinthique. Ou de me. Rends. C'est une ouverture de. C'est un fake, c'est pas vrai. C'est une fausse porte.
Allo in the dark. Le long est justifié. Cet écran est cool, j'avoue. C'est une bonne idée, je trouve. Une porte, c'est que... Je cherche la suite. Bon, ouais, plus de monstres, c'est déjà ça. Là, c'est vraiment juste on cherche. Et là, j'ai pas de solution. Donc, y'en a pas. C'est où qu'on doit aller? Qu'une seule sortie par écran, j'espère. C'est bon. J'ai failli faire une dinguerie. Hein. Tirer, mais vous avez compris. Excusez-moi. Non, si on pose le talisman. Ça allait... Je vais être un menteur. On m'appelle le trickster. Là j'ai pas d'autre mot. La fameuse porte du game over, elle est là! Saute, Carnby! Tu m'étonnes? Ok, je suis con. On va se jeter, hein, je le dis.
On se jette dans l'eau. On esquive le mec. Bon. Je vais crever. Bam! Cram! C'est le boss de fin. Sortez vite! Faut que je sors vite! 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 Labyrinthe. Ah! Par ici, vite. On se taille! C'est la fin du jeu! C'est où? On est où? Attendez, je comprends plus. Faut que j'aille où? Attends, c'est quoi là déjà? Ah oui, c'est ici. Le premier moment où on peut être mouillé. Non, on ne fouille pas, saute. Ouais, la flemme un peu. Même si je sais qu'on a plus besoin de balles. Donc, la giga flemme. Bon, c'est censé être la fin épique là. Où je sais pas, c'est la fin du jeu là, non? Je comprends plus. Y'a plus de monstre. Comment on sort? Ah, derrière le monstre peut-être. Là-bas. Attends. Oui! C'est la suite du jeu, je crois. On est où? Ok. T'enlèves pas les cales, t'es mort. Ta game over. Oh, il est rousse, laisse le jeu. Oh putain. Oh, c'est ouf. Ouais, il faut que je sorte d'ici. Salut les boys. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir. Par la porte, hein, j'imagine. Là, je meurs. Hein. Je pète un pont. Non, c'est bon. C'est le vrai dehors. Oui! Oh, la fin du jeu. Il est content, putain, tu m'étonnes. Oh, on se casse. Plus jamais. Plus jamais, frère. Un chauffeur. Oh non. Il va se retourner, il va avoir des traits bizarres. Elle était sûre. Pour la blague, mais bon. Et voilà, on a gagné. Let's go. Et voilà, c'est la fin du jeu. Pas de générique, rien. Hein. C'est dommage.
Et voilà, c'était Alone in the Dark. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne vie. Au revoir et à la prochaine.